Yo les gars, c'est Zerox, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de la Sigma Clan pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui comme gameplay vous aurez un gameplay de malade, une nucléaire only headshot en à peine 3 minutes. Donc c'est vraiment un gameplay de fou. Et dans la série nucléaire vous allez voir qu'il y a un kill dans la tête qui n'a pas compté, tout simplement, voilà, parce que je lui ai tiré dans la tête et il n'a pas pris. Et donc je m'excuse tout d'abord. Et le gameplay se passe sur la map Nuketown à la Sheva, donc la Sheva viseur Hello, parce que pour viser dans la tête je trouve que le viseur Hello est beaucoup mieux que le viseur réflexe, parce qu'il n'y a pas le petit cadran en haut là. Et gros calibre, donc gros calibre pour viser dans la tête, pour que ça one shot dans la tête. Et la crosse, tout simplement, parce que la crosse pour vous déplacer en même temps de viser quand vous devez viser la tête, c'est vraiment l'accessoire le plus utile avec le gros calibre. Et vraiment, mettez la classe, donc viseur Hello, poignard go, cross et gros calibre, et vous et essayez nucléaire only headshot, hein, si vous avez envie de tenter ce gameplay là, essayez là et vous verrez par vous même comment ça sera beaucoup mieux pour réaliser des headshots avec votre Sheva, même avec n'importe quelle arme ça sera beaucoup mieux. Mais bon voilà, si vous voulez only headshot vraiment, prenez la Sheva avec cette classe là. Et donc le gameplay est vraiment fluide à mort, vous allez voir j'ai rushé partout, ce gameplay est vraiment magnifique. T'arriveras pas à critiquer, t'arriveras pas à trouver un truc à critiquer dans le gameplay, tout simplement parce que déjà d'une, j'ai QLF en barre de clan, non vraiment, sérieusement, tout simplement parce que ce gameplay là il est magnifique, je rush partout, y a pas une seule fois, y a pas un moment où je campe, tu vois, j'ai les rush, les ennemis je vais les chercher alors que je dois faire only headshot et pas me louper une balle, alors que les ennemis sautaient partout etc, et je devais avoir un bon shoot ultra précis. Ça, entraînez-vous aussi contre des bots, parce que moi j'ai dû m'entraîner pas mal de fois avant de réaliser ce gameplay là, mais bon voilà, c'était ma première game de la journée et j'en suis très très fier d'avoir réalisé un des gameplays les plus durs au monde, première game de la journée et en à peine 3 minutes, c'est vraiment un truc de malade. Mettez-vous à ma place, comment je suis très content, franchement. Ce gameplay là mérite au moins plus de 1000 likes, j'espère qu'on atteindra les 1000 likes sur cette vidéo. Mais si vous êtes des bons, si vous êtes des vrais abonnés de la Sigma, mettez-nous en 2000, ça nous ferait extrêmement plaisir les potes. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Sigma Clan qui sera... Enfin, là, sur la chaîne de la Sigma et sur ma chaîne YouTube qui sera bien sûr en description. J'approche très rapidement des 40 000 abonnés et ça me fait hyper plaisir de les atteindre très rapidement les potes. En tout cas voilà, le gameplay vous pouvez l'admirer, nucléaire Sheva only headshot, voilà, sur mon sur Black Ops 3, y a pas de mieux, y a pas de mieux dans des gameplays comme ça. Et des défis comme ça, c'est franchement de très beaux gameplays. Tu peux pas critiquer les gameplays comme ça, nucléaire au point, only headshot ou quoi, y a pas mieux comme défi. Mais voilà, je vous ai donné la classe. Si vous voulez tenter ce genre de défi, ça ferait super plaisir que d'autres personnes arrivent à réaliser des défis comme ça grâce à cette classe, les potes. En tout cas, moi je vais vous laisser là, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Sigma Clan, à ma chaîne YouTube qui sera bien sûr en description, et à vous et à venir nous follow sur notre Twitter qui sera bien sûr en description, les gars. C'était Zerox sur la chaîne de la Sigma Clan, les gars. C'était Zerox. Allez, ciao tout le monde.